Nouveau sur Congo Live Télévision, les dames et messieurs, très chers téléspectateurs de Congo Live Télévision, nous vous disons merci de votre fidélité. Bonjour, bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne. Nous recevons aujourd'hui M. Christophe Mouissa, un acteur de la société civile, un activiste des droits humains, mais au-delà de ça, c'est un panafricain. M. Christophe, bonjour et bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévision. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à nos téléspectateurs, nos compatriotes qui vivent au Congo et ceux-là qui vivent dans la diaspora. Nous les remercions, nous les réitérons nos salutations parce qu'effectivement, ils nous aident énormément. Nous remercions également les personnels de Congo Live et vous personnellement, monsieur le journaliste. Non, ça nous honore. Et pas un honneur qu'on y a sous ce Congo Live. C'est un honneur partagé de part et d'autre. Effectivement, c'est un grand sentiment parce que nous tous nous rendons des loyaux services à la République et c'est à travers effectivement nos différents échanges, nos analyses que nous apportons les paix que nous pourrons apporter par rapport au fonctionnement de nos institutions, mais également auprès de nos autorités et apporter encore des soutiens massifs à nos FARDC, surtout pendant cette période de crise où les pays traversent des moments extrêmement difficiles. Alors, tous allez les sous-soir à Colombie, la situation sécuritaire dans l'est du pays. Nini ezole kanaka tiambo kanabiso, nini ezole ka juste après chite à Kanyabayonga. Ba expert oyo ba maîtriser bien Angers ya makambo ezole ka dans l'est du pays. Ceux qui maîtrisent un peu ce qui se passe au pays. Il est de la société civile et avec lui Togolobela les Kamboebele. Alors pour commencer, on parle ici de 28 militaires FARDC dont deux capitaines, tous commandants. Compagnie et quatre femmes sont à la barre poursuivies par le tribunal militaire de garnison de Butembo en audience ENA. Flagrance ce mercredi 3 juillet 2024 pour violation des consignes, fuite devant l'ennemi à Kasege et Matembe, exorption, perte d'armes et dissipation des munitions de guerre. Cette audience à flagrance se tient dans le village à Limbongo, en territoire de Lubero. Donc, l'état qu'on est en train de faire cette émission, de l'autre côté, il y a audience où plus de 28 militaires FARDC sont poursuivis pour avoir pris fuite devant l'ennemi. Comment vous, personnellement, analyste indépendant, vous analysez cela? Alors, pour revenir un peu par rapport à cette question, il vous souviendra encore lorsque trois semaines avant la cité de Kanyabayonga effectivement été menacée, on avait soupçonné le commandant de cette zone opérationnelle, le général Chico, et il y avait encore de nouvelles arrestations des militaires qui étaient encore arrêtés. Ils ont été condamnés au tribunal militaire de garnison de Goma. Et aujourd'hui, encore trois semaines après, nous revivons les mêmes scénarios. Ça prouve à suffisance que toutes les inquiétudes aujourd'hui des Congolais liées à cette infiltration, cet espionnage de l'armée rwandaise qui a aujourd'hui une forte influence même dans l'appareil sécuritaire de notre pays. Il faut l'avouer parce que depuis l'arrivée de l'AFDR à Kinshasa, en tout cas, les différentes rébellions qui se sont succédées, qui étaient soutenues par les Rwanda et l'Ouganda, aujourd'hui, en tout cas, ça continue à faire mouche au sein des forces de sécurité. Heureusement, avec la vigilance de nos forces de sécurité, on a réussi à mettre la main sur une vingtaine de personnes qui sont en train de comparaître à ce net moment pour les différentes infractions susceptibles aujourd'hui aux infractions de haute trahison. Et avec la levée du moratoire qui avait été faite l'année passée, moi je pense qu'aujourd'hui, ces militaires-là courent les risques d'une peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort, où ils doivent être fusillés au cas où les jugements seraient rendus, la sentence serait prononcée par rapport à l'infraction telle que annoncée. Mais au même moment, nous continuons à exprimer notre soutien aux FARDC parce que ce n'est pas facile de se battre dans de telles conditions où vous êtes tellement infiltré jusqu'à la moelle épinière, mais aussi de recommander au commandement au haut commandement d'état-major général, effectivement, de voir comment est-ce qu'ils vont désinfiltrer notre armée et pouvoir y mettre des nouvelles unités récemment intégrées dans les FARDC, parce que lorsque le chef de l'État, président de la République, avait fait appel
à la formation des groupes de vigilance. Vous avez vu à Goma et la majorité des jeunes dans les territoires de Massissi et de Rutshuru qui se sont mobilisés. Les uns ont formé ce qu'on appelle des groupes de vigilance de Wazalendo et les autres ont choisi de rejoindre les FRDC et on en compte des milliers de jeunes qui ont adhéré. Donc aujourd'hui, c'était le moment plus que jamais, avec ces difficultés d'infiltration, d'amener de nouvelles unités, un nouveau commandement pour que ces jeunes-là se battent et nous détacher de tous ceux-là qui ont des mains noires ou des mains salies depuis la période du RCD avec des brassages et des mixages qui ne permettent pas aujourd'hui à l'armée d'enregistrer des victoires sur le terrain. Est-ce qu'il est important de faire déjà des audiences foraines le temps qu'il y a de l'autre côté les opérations, les fronts qui continuent, il y a des combats qui sont continués dans ces localités et d'autre part toujours à Alimbongo il y a l'audience foraine qui commence. Est-ce que ça vaut la peine de faire un procès le temps que d'autres militaires font la guerre? Oui, effectivement, vous savez, dans l'armée il y a plusieurs départements. Vous avez aussi le département de la justice militaire. C'est lui qui s'active effectivement pour pouvoir poursuivre ces procès. Il y a de l'autre côté le département des opérations militaires qui doit également faire son travail. Mais moi, je pense que c'est au fait un acte par contre à saluer parce que c'était un procès en flagrance où les militaires ont abandonné leur position, peut-être sans qu'il y ait un ordre donné de la part de leur hiérarchie et du coup en tout cas ces infractions là sont directement établies à moins que leur défense prouve le contraire et à ce titre là effectivement et aussi à leur niveau ils demanderont de faire appel à d'autres témoins ou peut-être à ceux-là qui leur avaient donné les ordres parce qu'au-delà du commandant des zones opérationnelles, il y a également les commandants sectaires. Tous doivent être interpellés pour élucider dans quelles circonstances ces militaires-là ont fait leur repli stratégique pour laisser la cité stratégique de Kanyabayonga parce qu'il faut le préciser que les ennemis ont sont entrés dans cette cité sans combat parce qu'il y a plus de 6 heures de temps que la zone était déjà abandonnée et ils sont venus effectivement en termes de ratissage alors qu'en réalité les Wazalendo qui voulaient à tout prix résister dans cette zone-là aujourd'hui comme ils sont dans des opérations conjointes avec les FARDC cela pourrait être comme un acte de trahison et de désobéissance et du coup ils ont été obligés tous de se replier. Mais au même moment que les combats se poursuivent, il faut dire que les Wazalendo, pas plus tard qu'hier, ils ont fait des incursions dans les positions des M23 et ils ont enregistré de lourdes pertes au moment où l'audience est en train de poursuivre son cours normal. Et moi, je pense que c'est un message très fort à l'égard de tous ceux-là qui auraient tendance à infiltrer ou à déjouer les stratégies militaires et cette condamnation pourrait effectivement nous apporter beaucoup de lumière autour de la trahison mais aussi de l'infiltration qu'il y a au sein de l'appareil sécuritaire. Le fait d'amener déjà ces 28 militaires FRDC dont il y a aussi des officiers qui sont accusés, ils sont encore jusqu'à présent établis comme innocents jusqu'à ce que les faits seront considérés et qu'ils soient coupables de leur acte. Est-ce que le fait aujourd'hui de les amener déjà en justice serait une manière de faire un message à la population congolaise qu'il y a aujourd'hui ce qu'on ne peut pas laisser impuni. Il y a des choses qu'il faut toujours suivre à la loupe. Oui, vous savez, avec la manipulation médiatique qu'on appelle l'armée numérique rwandaise, aujourd'hui on propage des fausses informations. Et du coup, comme notre population effectivement est aussi très en alerte, très résiliente et résistante, nous suivons de près toutes ces informations. Raison pour laquelle je félicite les différents médias comme Congo Live Télévision qui met vraiment les informations en temps réel. Ça permet effectivement à nous autres d'informer notre population parce qu'au-delà de cette manipulation médiatique, il y a également la désinformation ou les mésinformations qui sont propagées par l'ennemi. Et du coup, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Laissons nos FRDC et continuer leur combat. Et nous autres, comme les organisations de la société civile, les médias et les membres du gouvernement, nous devons nous activer en ce qui concerne l'accès
à des informations réelles qui pourraient permettre effectivement, parce que lorsque vous voyez même avant la chute de Kanyabayonga, il y a eu la propagation de fausses informations, ce qui a créé une certaine confusion, une ébullition au sein de la population. Cela pourrait même amener des gens à tomber des crises cardiaques, à tomber en évanoui, alors qu'en réalité les informations étaient fausses, et c'est de là que l'ennemi joue tout son jeu en sémant une certaine confusion au sein de la population qui pourrait créer de la débandade. Donc à notre niveau, nous en tant que population, nous devons aussi savoir quels sont les sites pour lesquels nous devons nous abonner pour avoir de bonnes informations. Parce que l'ennemi utilise toutes les stratégies nécessaires aujourd'hui pour non seulement diviser les Congolais, mais aussi déjouer les plans stratégiques militaires sur les lignes de front. Au même moment, c'est au niveau maintenant des opérations militaires, au niveau de l'état-major général, mais aussi au ministère de la Défense, de pouvoir aussi aujourd'hui développer de nouvelles stratégies de combat. Pardon, je ne vous coupe pas. Où seraient les ministres de la Défense? Mais depuis à Kota, au Canada? Non, vous savez, les secteurs de la sécurité, c'est un peu plus sensible. Il ne pourrait pas s'aventurer, par exemple, s'il n'a pas assez d'expérience dans ce domaine. Aujourd'hui, il est obligé de participer dans plusieurs réunions du Conseil national de sécurité. Il doit s'associer au Conseil supérieur de la Défense, mais également au commandement d'état-major général. Donc, il ne peut pas y aller de manière précipitée, parce que c'est une question tellement sensible qui vont de la vie des Congolais. Et moi, comme nous l'avions d'ailleurs présenté auprès de la première ministre, nous aimerions que l'état-major général de la République soit installé à l'est de l'RDC, où ils seront en train de suivre de près cette situation, parce que Bemba, son mandat n'a pas été vraiment il n'a pas répondu ce que les Congolais voulaient. Positif pour les Congolais, surtout en ce qui concerne la sécurité. Nous aimerions que le nouveau ministre de la Défense, en tout cas, établisse son quartier général à l'est de la RDC pour se rassurer de suivre de plus près les situations et les opérations militaires. Alors, comme vous avez parlé de l'infiltration au sein de l'armée, ici on parle maintenant de l'infiltration au sein des Congolais. Ouais. Les ministres de la Défense et de la Justice, voulais-je dire, s'il vous plaît, le ministre de la Justice, Costa Mutamba, qui est d'abord un activiste comme vous, vous avez été avec lui partout un peu, sans rappeler ça, sans pouvoir poignarder qui que ce soit, vous avez été avec lui, vous avez lutté beaucoup d'années. Il a décidé, il a changé en fait ce processus, et il a décidé que désormais, certificat Oyo, il y a nationalité à Congolais, et Kubanda Kupé Sama, soit na ANR, soit na DGM. Likambwana yotali angote. Bon, moi je... bandana nous pona infiltration. Bon, l'infiltration en fait c'est fait à tous les niveaux et ça fait aujourd'hui partie des stratégies de combat dans tous les États, parce que lorsque vous êtes dans un pays comme les États-Unis où après chaque 10 ans ils sont obligés de nationaliser tous ceux-là qui ont déjà fait plus de 10 ans sur leur sol, si et seulement si ils le veulent, parce que pour eux ils comptent beaucoup plus sur la formation idéologique et patriotique, et pour eux ils se disent si nous mettons aujourd'hui à nous en prendre à tous ceux-là que nous soupçonnons comme des infiltrés, de peur qu'ils pourraient retourner la situation contre l'État. Et pour eux, moi je ne dis pas que c'est la même stratégie que devrait se doter le Congo, mais pour eux, ils se rassurent que même des personnes qui ont envie de vivre aux États-Unis et qui veulent être des États-Unis, des Américains, on les nationalise. Ça, c'est l'une de leurs stratégies, parce qu'ils savent qu'avec leur idéologie, ces gens-là peuvent être bénéfiques à leur pays. Contrairement à chez nous, où les gens, non seulement ils ont envie de vivre en RDC, mais au service de l'ennemi. Ça, c'est le contraire. Donc, nous avions voulu à ce que ceux-là qui ont besoin de devenir des Congolais, qu'ils le fassent de manière loyale et fidèle pour aider la République démocratique du Congo à avancer. Mais l'infiltration à notre niveau nous rend encore très fragiles. Pourquoi? Parce que même ceux-là aujourd'hui qui bénéficient, ils sont à des différents postes de responsabilité, ils sont hautement positionnés dans les différentes institutions, que ce soit politique, administrative ou militaire, mais ils servent encore l'ennemi et ils n'aident pas le pays à avancer. Raison pour laquelle les ministres de la Défense, au-delà de s'arrêter à ce niveau-là, le ministère de l'Intérieur avait déjà déclenché un processus de recensement et d'enregistrement de tous les Congolais. Donc, ce sont effectivement des mécanismes qui permettent d'avoir
l'originalité des nationalités congolaises, mais aussi de celles qui veulent devenir des Congolais, soit par adoption, soit par procuration. Et c'est un processus normal pour tous les autres États, mais chez nous, nous devons nous rassurer pourquoi nous envisageons ce processus, pour aboutir à quoi. Surtout que c'est de là que je reviens sur le communiqué du ministère de la Justice, où les gens, certains Congolais, ne connaissent même pas l'avantage du certificat des nationalités, alors que c'est un élément ou c'est un document très important qui justifie en réalité la preuve de détention d'une nationalité. Mais malheureusement, beaucoup de Congolais ne connaissent pas ces documents, raison pour laquelle je demanderai à ce que nous puissions d'abord commencer par faire des campagnes de sensibilisation sur quels sont les documents que doit détenir un citoyen congolais. En commençant peut-être par l'acte de naissance, qui pourrait évoluer jusqu'à obtenir la carte pour citoyen, qu'on appelle carte d'identité nationale. Ça pourrait être les passeports. Et ensuite, ça pourrait être les certificats de nationalité. Donc, au-delà de toutes les démarches aujourd'hui envisagées en termes de réforme par le ministère de la Justice, nous devons passer aussi par les programmes de vulgarisation de nos textes pour que les Congolais sachent réellement quels sont leurs droits, quels sont les documents qu'ils doivent détenir qui prouveraient réellement leur nationalité ou appartenance à la République démocratique du Congo. Alors, au-delà de ça, au-delà de cette infiltration, on va finir par ici. C'est au cours de la semaine passée où nous avions vu d'ailleurs même un communiqué. La société civile du Nord Kivu a alerté sur l'avancée des rebelles du 1-23. La société civile du Nord Kivu a parlé, a adressé une lettre près le président de la République, mais également près le gouvernement souminois. Au-delà de ça, nous avions aussi vu, vous personnellement, lors de son séjour à Goma, Madame Judith Souminois Toulouka, vous étiez avec elle pour remettre, on ne sait pas de quoi, mais c'est à vous de nous clarifier. Qu'est-ce qui concerne d'abord ces communiqués dont vous aviez écrit au président de la République en tant que société civile? Quelles ont été vos recommandations dans ces communiqués? Et à ce qui concerne vous et Mme Judith Souminois, c'était quoi les sujets? Alors, il faut préciser qu'effectivement, j'ai conduit une délégation de jeunes activistes et de mouvements citoyens de son passage ici à Goma, Madame la Première Ministre Judith Souminois. Et nous avions déjà un cahier des charges qui constituait notre mémorandum que nous devrions adresser au Président de la République. Mais comme la Première Ministre était présente, c'est elle la chef du gouvernement et nous avons profité de sa présence ici. Elle vous a laissé sans problème? Oui, sans aucune difficulté, parce qu'effectivement, les protocoles d'État avaient déjà planifié que nous devrions être ici, bien que c'était dans un environnement ou dans un format qui n'était pas vraiment approprié parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais comme c'est elle l'autorité, il fallait s'adapter au protocole déjà mis en place. Et du coup, lorsque je suis parti la remettre notre mémorandum qui contenait quatre points essentiels que je l'avais dit d'ailleurs directement. Le premier élément, c'était la situation sécuritaire que la province du Nord Kivu est en train de traverser. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes une province surmilitarisée, mais malheureusement qui manque de la paix et de la sécurité, que ce soit dans la partie nord avec l'activisme des ADF qui opèrent aujourd'hui comme un État islamique avec des actes terroristes dans le Grand Nord. Vous avez aussi dans les CID avec le 1-23 qui continue à propulser son avancée malgré la signature de cesser les faits. Et à ce titre, nous avions recommandé à Madame la Première Ministre, effectivement, de lancer les offensives, d'une part pour nous assurer que l'armée est déjà à pied d'œuvre avec ses partenaires de la SADC, de la MONUSCO, mais aussi en compagnie de Ouazalendo qui apporte un soutien très nécessaire au FARDC en termes des effectifs, mais aussi la levée de l'état de siège. C'était le premier point, effectivement, parce que nous avions estimé que l'état de siège a longtemps duré. Il fallait qu'on l'élève à la province du Nord Kivu et Ituri, pourvu que les militaires se concentrent uniquement sur les opérations militaires et qu'on détache l'armée de l'administration et de la politique. Le deuxième élément, c'était par rapport à la crise humanitaire. Et cette crise humanitaire dont nous avons aujourd'hui plus de 7 millions de personnes déplacées internes. Nous sommes d'ailleurs le premier pays à atteindre ces records-là au niveau mondial. Et nous avons dit à Madame la Première Ministre clairement que cette situation humanitaire devient de plus en plus grave.
Elle a été ministre des plans, elle avait compris ma proposition parce que je l'avais demandé de dresser un plan de contingence par rapport à cette crise humanitaire et de définir des stratégies avec les partenaires au niveau international des organisations humanitaires en fait d'apporter les aides et les assistances nécessaires à cette population. Dans ce même point, j'ai aussi évoqué la question de l'asphyxie de la ville de Goma et de la ville de Beni, mais notamment également de Butembo, où les villes que je venais de citer ici sont beaucoup plus alimentées par des territoires. Et aujourd'hui, tous ces territoires sont menacés. Les territoires de Beni, les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo. C'est-à-dire aujourd'hui, la ville de Goma et toutes les autres villes ne sont pas ravitaillées en vivres, mais aussi en produits agricoles. Et nous avons exprimé la nécessité de décréter le Nord Kivu comme étant une zone sinistrée qui devrait bénéficier des allègements fiscaux et des allègements sociaux. Et à ce point, je l'ai motivé par l'improductivité aujourd'hui de nos populations qui vivent pour la plupart des activités champêtres, d'autres de l'élevage et des petits commerces. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui produisaient, qui ravitaillaient nos différentes villes sont cantonnées dans des cas de déplacés et d'autres dans des familles d'accueil. Le troisième point, c'était lié à la situation des droits de l'homme. Vous savez que nous sommes dans une province sous état de siège où les gens émettent des avis sur la situation sécuritaire. Et ces gens-là, malheureusement, ont été victimes des arrestations arbitraires. Et du coup, on a clairement dit à la première ministre que ces gens-là doivent être libérés parce que le fait pour eux d'avoir émis un point de vue sur la situation sécuritaire, sur la gestion de la province, ne constitue pas une infraction pour les faire allégeance ou de les coller l'appartenance à des groupes rebelles ou à des mouvements insurrectionnels. Elle nous a dit qu'elle apporterait des solutions incessamment et c'est de là que nous entendons parce qu'aujourd'hui, la province a plus que jamais besoin de la paix et de la sécurité pour organiser le retour de nos compatriotes qui sont déplacés dans des camps ici et qui effectivement ont besoin d'une certaine aide, des assistances, mais aussi de faire appel à la mobilisation générale pour que nous tous ensemble, nous puissions avoir cette cohésion et cette unité en tant que peuple. Alors, c'est la fin de cette émission, les dames et messieurs. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux. On a réussi Christophe Mouisse avec lui. On a parlé un peu de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci. Excellente journée à vous. Merci, monsieur Mouisse, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous touche fort. Merci. Congo Live Télévision, on vous remercie vraiment. Ouais. Et nous espérons encore vous revoir à la prochaine. Alors. C'est moi qui vous remercie. Merci, les dames et messieurs. On se fixe rendez-vous à la prochaine pour d'autres nouvelles.